Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur Ice Cream 4. Aujourd'hui je vais vous présenter une astuce, enfin plutôt un glitch pour finir le jeu en moins de 1 minute. C'est très très simple et très très efficace. Hop, mais malheureusement c'est que en mode fantôme. Donc on va jouer en mode fantôme, tranquille, en français. Donc le début c'est comme le jeu normal, hein. Tout est normal, sauf du coup bah, le glitch, parce que sinon le jeu normal, on prend à peu près, je pense, une demi-heure pour le finir à peu près par là. Donc voilà, on est comme d'habitude, comme dans le vrai jeu, dans la cage. On va faire tomber le banc pour récupérer la clé à molette, comme dans le vrai jeu. On va tout simplement casser avec le cadenas et on peut sortir de la cage. Donc hop, oula, j'ai eu un bug. Hop, on sort tranquillement. Donc le mini-rod il est juste là, mais comme on est en mode practice, il ne nous voit pas. Nous, on va directement aller au conduit d'aération. Hop, on l'ouvre, on passe. Conduit d'aération comme ceci. On se relève. On ouvre la porte. Donc là, on peut passer la cinématique, hein. Et là, comme vous le voyez, pour finir le jeu, il faut aller dans la salle de contrôle. Sauf qu'il y a tout simplement Boris, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui nous bloque. Sauf que comme on est en mode practice, il ne nous voit pas. Vous voyez, on peut danser à côté de lui, il va pas nous voir. Nous, on a tout simplement, il faut tout simplement se mettre accroupi et foncer dans ses pieds. Donc c'est parti, alors attendez. Hop. On fonce tout simplement bien dans ses pieds. Et vous allez voir qu'il va se réveiller tout seul. Nous, on a tout simplement à se mettre contre la porte. Donc voilà, hop. On se met là. Et on va reculer. Et vous allez voir qu'avec son gros dos, il va nous pousser derrière la porte. Et voilà, les amis. Donc je vais juste tester un truc. Non. Ok. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, on a réussi à traverser la porte. Et là, on est tout simplement sur la fin du jeu. On a juste à appuyer sur le petit bouton bleu. Et voilà, on a terminé le jeu en moins de 1 minute. Je pense là, on a dû prendre peut-être 50 secondes pour terminer le jeu. C'est très très rapide et très très efficace, mais du coup si vous voulez le faire, faites-le rapidement parce qu'il y aura bientôt la mise à jour qui va patch ce bug. Donc voilà, hop, il y a Ice Cream comme qu'il a... Attendez. Il y a Ice Cream qui arrive comme d'habitude, hop. Il court vers les enfants, sauf qu'ils arrivent à s'échapper. Hop, mais le problème c'est que... Donc là il va dire qu'ils sont passés par les tuyaux, mais ils sont toujours dans l'usine. Donc ils sont pas bien loin. Et du coup, on va voir la suite dans Ice Cream 5 pour voir comment les enfants ils vont réussir à s'enfuir. Et voilà, on a terminé le jeu. C'est très très rapide et très très efficace. Donc voilà, hop, Ice Cream comme d'habitude. On peut passer la cinématique de fin. Et voilà, on a terminé Ice Cream 4. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Allez, ciao tout le monde!